Les Scandiados est un groupe folklorique varois. Depuis 53 ans, les Scandiados, groupe de maintien des traditions provençales de Cogolin et Grimaud, poursuit inlassablement sa mission de transmission d'un savoir ancestral et provençal. Son but est donc de maintenir et de transmettre la culture traditionnelle de la Basse-Provence, danse d'ensemble populaire et de caractère, le chant profane et religieux en langue provençale, le port du costume régionaliste traditionnel dans la période 1820 à 1860. Ses membres participent activement aux manifestations ancrées dans le paysage provençal, bravades, carnaval, Noël, etc. Ce soir est la résultante des travaux de deux de nos commissions, la commission théâtre et la commission chant de notre association. La pièce que vous allez découvrir dans un instant est une chronique de la vie d'un village, de notre région, ça peut être Castellane aussi, avec deux personnages centraux qui s'en donnent à cœur joie en égrenant les événements et les nouvelles de leur quotidien. Quant au banc des menteurs, puisque c'est ainsi que s'intitule cette pièce, beaucoup ont disparu de nos villes et de nos villages, remplacés par des parkings motos ou des jardinières. Vous savez ce que c'est un banc des menteurs, je pense. C'est un endroit où les pipelettes du village se rassemblent et taillent des costumes à tous leurs amis et leurs ennemis, etc. Il y en avait dans tous les villages, mais il y en a de moins en moins. Mais il y en a un à Castellane, je l'ai vu ce matin. J'en ai vu un ce matin à Castellane. Il nous reste donc le souvenir, que Fine et César vont tenter de nous faire revivre, accompagnés par des chants traditionnels qui illustrent leur histoire. Alors, en guise d'ordre, avant que la pièce débute, bien, nous allons vous présenter une danse de notre, avec nos danseurs pour vous régaler avec une harlequine. Oui, et alors ? Figure-toi qu'elle a reçu une lettre hier et il lui parle de son fils Averin, celui qui venait chaque année couper les cannes à Cogolin. Ah oui, je me souviens de lui, un gros travailleur, mais un peu la tête dans les nuages, comme ces montagnes. Ah ça c'est vrai, hein. Il vivait dans son monde.
Mais contrairement à ses frères bergers, qui faisaient le fromage et aimaient la fête, eh bien lui, son plaisir, c'était la chasse au parpaillou.